connaissent. Hein. Il y en a qui vers la gare. Sur le ruisseau de Valère. Mais il y en a pratiquement du départ jusqu'à la rivière en mer. Là, il y a des ours. Il y en a aussi chez. Alors, je vais vous la montrer. Le pesto. C'est la lampe Sanne. La lampe Sanne. C'est pas un problème. Eh bien, il faudra deviner les sommets enneigés parce qu'il y a beaucoup de bruit. On voit rien. Vous voyez la neige qui disparaît pratiquement et vous la retrouvez sur la droite. Et sur la droite, c'est ce qu'on appelle le massif à Glandier. Des pleins champs de jonquilles. Et champs de lit. Le château de la Cibaudie. Oui, il y a des gens qui sont en train de remettre. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont en train de remettre. Un litre d'eau. Oui. Ensuite, tu fais. Oui. Alors, les châtelaines d'Amberando. Et quand c'est sur le centre, elles sont beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Donc ça vient de la pression et de la température. Moins de pression sur le bord, température moins élevée, et au centre, beaucoup plus oxydée dans les airs. Une explication sur la Pouzzolane. Alors Kiki, qu'est-ce que tu nous as fait de beau aujourd'hui et de bon surtout? Un cake sucré avec de la prime verte, oui, et de la mélisse. Ah, d'accord. Mmh. Original. Mmh. Très original. Que je te tienne? Oui. Alors, qu'est-ce que j'apporte? Bien. Oui, c'est bon. C'est bon, hein, ce qu'il nous a fait. Il a bien fait de venir, le Kiki. Mais c'est super bon. Ça, Kiki. Est-ce qu'il y avait du chocolat? On dirait pas de première commune. Alors c'est du chai chai. C'est à base de lait. Alors on va goûter. C'est du thé. C'est du
pâté avec beaucoup, beaucoup d'épices. C'est vrai que c'est super. Qu'est-ce que vous avez fait? Des crêpes, des crêpes. Je vais les faire passer. Je vais les faire passer.